Je me suis demandé si, comme dans les dessins animés, il était possible de creuser un trou avec une cuillère. Et pour vérifier ça, je me suis donné le challenge de creuser un bunker géant en utilisant uniquement une petite cuillère et rien d'autre. Si je me suis lancé ce challenge aujourd'hui, c'est uniquement pour prouver que dès qu'on a envie, rien n'est impossible. Et c'est pour ça que là, je vais faire entièrement un bunker uniquement avec cette petite cuillère. C'est parti, on va commencer le bunker maintenant. Let's go! Ok les gars, ça commence. Ça risque d'être vraiment vraiment très très long les gars. Peu importe si ça me fatiguera, peu importe combien de temps je vais y passer, ça peut être une semaine, un mois, et peu importe combien de cuillères vont être utilisées pour créer ce bunker. Mais je ne partirai pas d'ici sans avoir atteint mon objectif. Là les gars, actuellement, ma première cuillère commence à entièrement se tordre l'équipe. Aujourd'hui je vais utiliser vraiment beaucoup beaucoup de cuillères. C'est pour ça que heureusement pour moi, j'ai fait un stock de plus de 100 cuillères pour la vidéo les gars. Mais je pense que dans pas longtemps je devrai changer. Ça fait seulement 5 minutes les gars que je creuse, je commence à avoir mal au doigt. On va continuer. On oublie les nuits dans un lit au chaud, les parties de PlayStation avec mes amis, je vais rester à creuser jour et nuit pour un seul but, rentrer dans l'histoire en créant un bunker avec une cuillère. Là les gars, le trou commence à se faire, ça fait environ 20-25 minutes que je creuse les gars, et ma première cuillère vient de se tordre entièrement, on peut la jeter. Et regardez le trou que j'ai réussi à faire avec une cuillère les gars. Au bout de 25 minutes, c'est vraiment pas mal. On va enchaîner avec une autre cuillère, c'est parti. Là les gars c'est bon, j'ai pris 4 cuillères avec moi, ce qui devrait me permettre de durer au moins 2 heures. On va enchaîner, c'est parti let's go. Là les gars, ça fait actuellement 2h30 que je suis en train de creuser. Le bunker commence à avancer. Au bout de 2h30 les gars, j'ai réussi à creuser ça en utilisant 4 cuillères les gars. Et regardez moi le bunker les gars, il commence à devenir correct les gars. Je suis tout seul, ça fait 2h30 que je creuse. Ma 5ème cuillère commence à se tordre. Et si vous regardez mes mains, je ne les sens plus. Elles sont entièrement rouges. Vous l'avez compris, à ce rythme, ce sera totalement impossible de creuser un bunker à part si je passe une année entière à creuser. C'est pour ça que j'étais obligé de faire appel à une équipe secrète appelée les creuseurs de la mort. Si je continue tout seul, je pense que le bunker ne sera pas fini même l'année prochaine. Il faut que j'appelle ma pote secrète qui s'appelle les creuseurs de la mort. Je les appelle tout de suite, c'est parti. Oh les gars, on va tout péter. Attends, on va le creuser. Oh les gars, on va tout péter. Ramenez-les où le trou. Du coup, la team est venue avec moi les gars, ils vont m'aider à creuser le bunker. On va tout de suite continuer sur le bunker. Est-ce que vous êtes chaud? Et oui, oui. Est-ce qu'on va arriver à creuser un bunker en utilisant uniquement une petite cuillère? Et oui. C'est parti les gars, let's go. Là les gars, on est en route pour aller jusqu'au bunker. Et j'ai vu quelque chose, en fait cette équipe de creuseurs les gars m'ont ramené des seaux les gars. Grâce à ces seaux, la terre du bunker qu'on retire, on va la mettre dans ces seaux pour pas qu'elle nous gêne. Et du coup ça va aller beaucoup plus vite. Ça les gars, c'est le trou que j'ai fait en 2h30 de trou les gars, avec une petite cuillère. C'est que ça là. 2h30 les gars pour faire ça. Mais la vérité c'est nul, oh c'est nul. Heureusement tu nous as appelé, franchement t'étais nul. On est là pour les travaux. Du coup les gars, est-ce que vous êtes prêts à m'aider, oui ou non? Et oui, ouais. Mais vraiment pour creuser on a besoin de quoi? D'une cuillère. Ah vous voulez une cuillère? Et oui. Ah vous voulez une cuillère? Et oui, avant la cuillère. Les gars, j'ai pris un sac rempli de cuillères. Oh là 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 là. Servez-vous les gars, il y a juste à creuser le plus gros bunker possible. Les gars, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ce bunker avec une petite cuillère, on va rentrer dans le Guinness Book des records, donc les records du monde d'un bunker créé avec uniquement des petites cuillères? Franchement, c'est possible. C'est une question qui ne croise même pas. Moi, les gars, si vous voulez qu'on rentre dans les records du monde du bunker, les gars, faut creuser, les gars, faut creuser, faut y aller. Aide-nous, aide-nous, frère, aide-nous. Comment ça, aide-nous? Aide-nous. Ouais, aide-nous. Ouais, mais vas-y, aide-nous. Ouais, vas-y, on creuse. Bien évidemment les gars, on va devoir stocker de la nourriture dans le bunker, sinon c'est pas un bunker. J'ai choisi HelloFresh comme repas à manger parce que c'est des repas super super faciles à faire et vraiment super super bons les gars. Ce qui signifie que c'est vraiment de la frappe, on va pouvoir les faire dans un bunker, les manger. Et c'est ce qu'on cherche les gars, dès qu'on est dans un bunker, pour manger des repas faciles. Pour me faire livrer, j'ai tout simplement été sur l'application HelloFresh sur téléphone. J'ai choisi ce que je voulais comme repas et je me suis fait livrer des repas super frais qu'on va déguster tout de suite. Il y a 21 recettes qui changent chaque semaine avec HelloFresh. Il y a vraiment des trucs tout frais les gars, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse cuisiner des choses fraîches. Les gars, stoppez tout le travail. Je sais que vous travaillez vraiment comme à l'usine, les gars. Régalez-vous. C'est des wraps végétariens de fromage, les gars. Super. Tiens, frérot, régale-toi. Let's go. Toi, pareil, régale-toi, c'est parti. Let's go, merci. Entièrement fait grâce aux produits frais d'HelloFresh. Franchement, c'est incroyable. Ouais, ouais, les gars, trop bon. Franchement, les gars, c'est super bon. C'est du fromage grillé, les gars. J'avais jamais goûté ma vie. C'est excellent, les gars. Ouais, c'est frais, ça me fait gagner du temps. Et en plus, on peut continuer à En plus, tellement que c'est bien, HelloFresh, ils font des trucs végétariens pour ceux qui mangent pas de viande, pour ceux qui font attention à leur corps et à leur santé, ils font des trucs healthy, bons pour la santé. Voilà, c'est une
tuerie, HelloFresh, les gars, c'est une dinguerie. Je vous recommande à 100%. Vous voyez, les gars, je parle même plus, je suis en train de kiffer, les gars. Allez. On prend une petite pause, les gars, pour manger. Et ensuite, on continuera ce bon bunker, les gars. Prenez tous des forces, les gars. Tout est bon, tout est bon. On s'est régalé, on a super bien mangé. Et grâce au code Crypto85, vous allez sur HelloFresh et vous avez 85€ de réduction sur vos 4 premières commandes et 3 cadeaux surprises. Alors, si tu veux manger comme nous dans le bunker, les gars, foncez, le lien est dans la description. Vous allez sur HelloFresh et vous allez vous régaler comme nous, on a mangé dans le bunker. Régalez-vous, le lien est dans la bio. Après cette pause, il commence à se faire tard, donc on a continué de creuser et encore creuser. Tout le monde était fatigué, mais on était encore loin du résultat final. Est-ce qu'on va rentrer dans l'histoire comme étant le record du monde du plus gros trou creusé avec une cuillère? On verra bien. Il est actuellement 16h30, j'ai commencé à 9h30 ce matin, presque 8h de creusage, les gars, je sais même pas comment on dit. En fait, à une certaine profondeur, les gars, vu qu'on est pas loin de la mer, il y a totalement de l'eau, les gars. Donc, est-ce que ça va nous ralentir pour la suite du projet? Je ne sais pas, les gars. Dans cette équipe, les gars, il y a des gens qui mettent vraiment beaucoup, comme Rally, Ziné, mais il y a des gens, j'ai l'impression que c'est des saboteurs, les gars, ce qu'on appelle des saboteurs. Dit-il, alors qu'on a creusé plus que lui. Ferme-la, maintenant, il creuse. J'en peux plus! Tu t'énerves sur qui, mon frère? Mais m'énerve sur toi, sur toi! C'est toi qui m'as ramené! Ah, je dormais! Mais est-ce que tu veux rentrer dans la légende, mon frère? Non, la légende, c'est elle qui rentre en moi là! Ah, la fatigue commence à me toucher! La fatigue, les gars! Ta bouche, t'es fatigué depuis la naissance, toi aussi! Hein. Est-ce qu'on va rentrer dans le Guinness record, les gars? Le Guinness! Roloto des records. Un peu de motivation, les gars, on va y arriver. Let's go, les gars. Avec l'équipe, on s'est mis sérieusement au boulot et on a passé plus de 4 heures non-stop à creuser et encore creuser. On a établi un ordre de rotation et chaque personne avait un rôle précis. Il y avait les sculpteurs, les ramasseurs et les jeteurs de terre. Cette technique nous a permis de travailler beaucoup plus vite, beaucoup mieux et d'avancer à toute vitesse. Je les ai laissés faire et pendant ce temps, j'ai été chercher ce qu'il nous fallait pour survivre à cette aventure. Les gars, je sais pas si c'est une bonne idée de s'être mis à côté de la mer. Regardez-moi tout l'eau qu'il y a, les gars. Mais on va faire avec, les gars, on va essayer. Quand, les gars, dès que le bunker sera fini, faut pas que dès qu'on soit à l'intérieur, il y ait des portes qui s'affaissent. Faut soit lisser les portes, soit se débrouiller pour pas que ce soit quoi. Avec la cuillère, tu lisses. Encore une cuillère pliée. Je sais pas comment on doit être à la 50e. À mon avis, on va tomber à court de cuillère dans pas longtemps, les gars. Tous les cadavres de cuillère qu'on a utilisés. Regarde que ça, c'est vrai. Là, les gars, on a passé toute l'après-midi entière à creuser avec des petites cuillères. Mais on a un problème, on arrive à court de petites cuillères. J'en avais prévu une centaine, on en a utilisé presque 70 sur 100. C'est déjà la fin de la journée et je pense qu'il faut passer à un niveau supérieur. Je vais autoriser les participants à utiliser une cuillère un peu plus grosse que celle qu'ils utilisent actuellement. La cuillère du level 2, ça fait juste ici. Et on respecte encore les règles parce que ça reste une cuillère. Oh, c'est quoi cette cuillère? Ah, les gars, j'ai pris une cuillère. Oh, la dégrée. En fait, les gars, c'est le level 2. Mais ça, oh, il a déjà cassé. Quel level 2? Mais quel level 2? J'ai mis un coup de cuillère, elle s'est tordue, donc en fait il faut faire attention. Ça marche mieux, hein? Ça marche mieux, c'est pas mal. Ça gratte. Mais là, mais attends, t'as qu'une? J'ai qu'une. 4! Les gars, sinon c'est trop simple, les gars, si on en a 4 comme ça, c'est trop simple. Déjà, une level 2, soyez contents. On va réussir, les gars. Ça fait énormément de temps que nous sommes en train de creuser. Et les gars, j'ai ramené quelque chose, un petit remontant. Du Monster, du Red Bull, du Powerade, encore du Monster, les gars. Que des choses énergisantes. Sans ça, on pourra pas continuer à creuser encore et encore jusqu'à créer un bunker. Donc je vais leur ramener chacun une petite canette de Monster, une petite canette de Red Bull pour qu'ils puissent continuer à creuser. Parce que là, je sens que la fatigue est à son maximum et que tout le monde commence à être KO. Suivez-moi, les gars, on va leur ramener à boire, les gars. Tout pour remettre de l'énergie et que le bunker se creuse plus vite. Alors, les gars, ça creuse ou quoi? Je vous ai ramené des boissons énergisantes. Ah, t'es vraiment un parce que là, je sens la fatigue à son maximum. Eh oui. Tiens. Vas-y, yes. Tiens, merci. Voilà. Oh, prends le pack. Toi, t'es vraiment KO. Prends le pack de Red Bull. Quoi? Oh, c'est incroyable. Là, les gars, c'est pour le remettre en forme. Et je veux que vous faites vraiment le meilleur bunker possible de votre vie, les gars. La potion. Voilà, les gars. Buvez, les gars. Et on enchaîne. Mais moi, faut que je bois, les gars. Moi, les gars, je pense à un truc là. Vous avancez vraiment pas assez vite. Moi, je suis très tranquille de boire mon petit Red Bull. Mais eux, les gars, ils avancent vraiment pas du tout assez vite. Moi, ça, ils boivent sur Red Bull. J'ai pêché. Vas-y, creuse. Vas-y, prends la cuillère. Les gars, quelqu'un est passé. Il a vu le projet qu'on avait. Il nous a dit, vous êtes complètement fous. Et il s'est abonné directement à la chaîne. C'est à dire que, les gars, regardez-moi ça. On a des projets de fous. On fait le plus grand bunker de France avec uniquement une cuillère, la personne qui vient de nous voir vient de s'abonner, donc faites pareil que lui, abonnez-vous à la chaîne. Malheureusement pour moi, à ce moment précis, mon petit frère et mes amis m'ont annoncé une terrible nouvelle. Oh, ouais.
Oh là, j'ai tombé. On a fait tout ça pour rien. Qu'est-ce qu'on a fait? Avec une cuillère, c'est vraiment impossible. Moi, quelle est la raison pour vous parler? Demain, j'ai école, moi. Franchement, moi, demain, je travaille. Et moi aussi, je vais à l'école comme lui, là. Et on fait comment? Si tu finis tout seul, vous me laissez moi abandonner, là. Vraiment, les gars, je vous ai dit, je pars pas sans ma cuillère. Avec une petite cuillère, c'est impossible. C'est impossible. Pour une journée, on a fait que ça. Que ça, frère. Mais c'est normal, ça va durer 4-5 jours. Comme les jours. Et nous, on a pas de vie, nous. Vas-y, venez, on y va, les gars. C'est un challenge. Ah, les gars, les records du monde, ça se fait en plusieurs jours, mon frère. Vous voulez vous parer? Vous voulez vous parer? Taillez-vous, vas-y, taillez-vous. Parce que je suis solo, taillez-vous. Arrête, je t'ai dit Je suis dégoûté, je suis seul, plus personne croit en mon projet de construire un bunker avec une cuillère, alors que je pensais qu'on allait faire ça tous ensemble et que ça allait se finir super vite. À ce moment précis, j'hésitais vraiment à abandonner parce que je me suis dit que tout seul, je n'allais jamais y arriver. Là les gars, on est en pleine nuit et on a un assez gros souci. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup d'eau dans le bunker, ce qui nous empêchait d'avancer. On a à peine attendu toute l'eau qu'il y a les gars, regardez-moi ça. Je vais devoir y aller les gars, rentrer dedans et retirer le maximum d'eau possible pour pouvoir continuer à creuser. Et ça me fait perdre énormément de temps. Parce que si on avait creusé dans le désert ou dans un autre endroit, on n'aurait jamais eu ça. Quand je me lance un défi, je suis obligé d'y arriver coûte que coûte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec une lumière à passer toute la nuit sur cette plage à creuser comme un fou. Là les gars, actuellement j'ai bientôt fini de vider toute l'eau les gars. Ça a pris presque 45 minutes, le trou est presque vide. J'ai rempli presque 2 seaux les gars. Ce qui signifie tout simplement que chaque 2 heures environ je pense que l'eau va revenir et qu'il faudra faire ça. Ça va nous faire perdre du temps, mais c'est obligé les gars pour continuer à creuser. Là les gars, on a entièrement vidé le bunker d'eau les gars. Donc là on est pas mal. On va continuer à creuser pour augmenter la taille du bunker. C'est parti. Mine de rien, cette cuillère géante me sert beaucoup plus que les petites cuillères. Là je vais prendre des plus grosses charges, je vais prendre tout ça d'un coup et le verser. Donc ça va beaucoup plus vite. Je me demande c'est quoi le mieux entre ça tout seul ou d'être à 5 ou 6 avec des petites cuillères comme j'étais tout à l'heure. Je pense que personnellement ça va plus vite. Je suis obligé de rester là auprès du bunker pour une seule raison. Imaginez si je pars d'ici et que quelqu'un vient reboucher entièrement le trou. J'aurais fait tout ça pour rien et toute une journée de travail sera partie dans le vide. Donc je vais passer la nuit ici à creuser encore et encore, faire nuit blanche et on verra demain matin où en est l'avancée du trou. Là les gars, sans vous mentir, on est en plein milieu de la nuit et j'en pouvais absolument plus de creuser. Donc j'ai proposé à Momo Ali, mon caméraman, de creuser à ma place. Et ce qu'on va faire les gars, c'est tout simplement qu'on va échanger nos rôles. Un coup moi je creuse et lui il dort. Et un coup lui il creuse et moi je dors. Au moins ça nous permettra d'avoir un petit peu de sommeil. Parce que là, regardez mes yeux les gars, j'ai les yeux rouges, je suis complètement KO. Il va se débrouiller, il va bien creuser le trou. Dors une heure, dans une heure c'est à moi de revenir, etc. etc. Creuse Momo Ali, je vois t'es là, tu mets du temps. Creuse mon frère, commence à creuser. Moi je vais aller un petit peu dormir les gars pendant une heure et je reviens après au bout d'une heure. C'est parti. Le soleil est en train de se lever, vous l'avez compris, j'ai passé toute la nuit à creuser. Mais j'ai demandé l'aide du caméraman et on se relayait, ce qui signifie que quand je dormais, il prenait ma place. On a travaillé toute la nuit, je tremble les gars, je tremble. Regardez l'état de mes mains, les gars actuels. Moi j'ai la grosse cuillère, Momo Ali a la petite et il m'aide avec l'eau. Les gars, on a dû se mettre à deux parce que sinon on n'aurait jamais fini. Et on a franchement bien avancé. Tout le contour est fait, le trou est assez grand. Je pense que je peux rentrer dedans et dormir dedans les gars, c'est le but d'un bunker. En tout cas les gars, le soleil se lève, il est actuellement 6h27 du matin. Donc dans une demi-heure, le soleil sera entièrement levé. J'ai commencé hier matin. On est le matin frère. Ouais, je peux pas ramener une pelleteuse. Mais t'as pas le droit sinon le but c'est quoi frère? Le but c'est qu'à uniquement avec des cuillères. Peu importe la cuillère mais ça doit être une cuillère. Je vais fracturer mon crâne. Les gars, tout est tombé. Non. Tout ce qu'on a bâti, tout est en train de tomber frère. Attends, je fais une pause les gars. Là les gars, dites-vous, il y a une journée de travail et tout ça c'est tombé à l'intérieur. J'ai mal au dos, j'ai pas dormi. Ah, et tu crois que j'ai dormi moi? Mais ouais frère, t'as rien après frère. Ouais, mais alors? Moi je suis là depuis ce matin, je n'ai pas dormi, guette. Ça tombe, vient de tomber. Point positif, le soleil se lève. Les gars, à côté de nous, il y a des gens qui viennent de passer et je suis sûr à 100% qu'ils vont croire qu'on est en train d'enterrer un corps. Et ça peut être chaud ça. On dirait que je suis au bagne, la tête de homme, l'autre est parti dormir. Ah, la vérité, moi si je suis en prison, je pourrais pas. Hein. Pendant des années, creuse à la cuillère comme ça. Les gars, il m'a laissé tout seul pour faire tout le taf. Qu'était où les dors? Yannis, j'ai les mains qui tremblent, j'arrive même plus à bien cadrer. Pose-toi un peu, j'en peux plus. Le soleil. Je m'en fous du soleil, repose-toi un peu. La vérité, je continue parce que le trou, les gars, il va pas se creuser tout seul. Je vous repose et je continue. Je vais pas vous mentir que je regrette d'avoir creusé toute la nuit. Parce que là, je me demande comment je vais faire pour tenir toute la journée qui va arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je ne finis pas avant ce soir, j'irai dormir à l'hôtel et je reviendrai creuser le matin. Là, l'équipe, le soleil vient de se lever. Voilà actuellement où on en est dans le bunker, les gars. On est en train de retirer l'eau. Mais actuellement, le bunker fait cette taille. Je pense qu'actuellement, moi, il doit faire combien de mètres, tu penses? Moi, je pense
pense qu'il fait 1m20. Le but, ça serait d'atteindre 1m50. Si j'atteins 1m50, je peux rester assis dedans et profiter du bunker tranquillement, les gars. En tout cas, je peux vous dire quelque chose, les gars. J'ai eu ce qu'on appelle des ampoules. Et là, les gars, j'en ai une, mais j'en ai beaucoup, beaucoup également à l'autre main. On va aller, let's go. Imaginez-vous qu'on a dû faire entièrement ce trou, coup de cuillère par coup de cuillère. C'est la chose la plus longue que j'ai faite de ma vie. Le soleil s'est entièrement levé. Il est 8h du matin et on a actuellement 1m50 de profondeur. Ce qui est plutôt pas mal. Je suis au charbon, les gars. Le bunker, les gars, il avance petit à petit. Mais là, les gars, on a la surprise, les gars. C'est qu'on s'est endormi à peine une heure. Et regardez-moi toute l'eau qui est venue dans le bunker, les gars. C'est une dinguerie. Je sais pas comment on va tenir cette journée. On est complètement KO, mort, les gars. Mais bon, on est obligé de faire, les gars. C'est pour le challenge. C'est pour le défi. Il faut qu'on réussisse à faire ce bunker uniquement avec des cuillères. Donc, on va continuer jusqu'à environ midi, midi 30. Et on verra ensuite le bunker à quel niveau il en est. C'est parti. Comme vous voyez, il y a mon moelle juste derrière moi. Et le bunker, franchement, tu rentres dedans normal. Hein. Ah, les gars, moi là, j'ai pas envie de m'allonger parce qu'il y a de l'eau. Mais on enlève l'eau et c'est carré. Hein. Tu peux te poser tranquille. La vérité, je m'allonge, je mets une télé, je mets la play. Et... on n'a pas fini encore, on va continuer à creuser jusqu'à que vraiment on ne voit plus personne, qu'on puisse être dans le bunker tranquillement. Let's go. Là les gars, on a deux grosses mauvaises nouvelles pour la vidéo. Premièrement, le vent vient de se lever, ce qui est 10 fois plus dur pour jeter les seaux. Et le deuxième gros problème de cette vidéo les gars, c'est qu'on vient actuellement de perdre la cuillère de 60 cm avec laquelle on creusait. Mon caméraman a envie d'abandonner, mais j'avais prévu quelque chose. Si on continue avec la cuillère qu'on vient de perdre, on va tout simplement rater la vidéo et on finira jamais avant ce soir. C'est pour cette raison que j'ai rapporté le niveau 3, le boss final les gars de cette vidéo. C'est tout simplement une cuillère géante. Elle fait actuellement 1m30. Donc dès maintenant, on va creuser avec ça en espérant que ça aille 100 fois plus vite et qu'on puisse finir aujourd'hui le bunker, ça serait le but. Viens, on va la tester. Franchement, on va voir, cette cuillère est incroyable. C'est une pelle, frère. C'est une pelle. Et en plus, tu sais quoi, elle est vraiment, vraiment super rigide. Tu peux continuer tout ça. Oh, au lieu de creuser le sac, tu peux pas me ramener un gâteau géant là, je tape dedans. Mais y'a pas de gâteau géant, frère. Creuse. T'as une cuillère 100 fois plus grande, de niveau 3, qui ont pris de creuser. Je pense qu'on va avoir environ 2 heures de creusage pour arriver à notre but, les gars. Là, actuellement, on a 1m40, 1m45 de profondeur. C'est parti, mon Ali, creuse au maximum avec la cuillère. Je vais également l'aider parce que moi aussi, j'ai pris une cuillère géante, les gars, une cuillère de niveau 3. Et regardez-moi cette cuillère, les gars. J'ai décidé de passer à ma dernière solution pour créer ce bunker. Et cette solution extrême, c'est la cuillère la plus grosse du monde, taille XXL. Cette cuillère fait 100 fois la taille d'une cuillère normale. Normalement, ça devrait me faire aller 100 fois plus vite. Je suis vraiment obligé parce que je dois finir ce bunker avant ce soir. Là l'équipe, nous sommes actuellement dans le bunker et là les gars, on arrive enfin à 1m50. En tout cas, le bunker, il y a un gros problème. Un bunker, ça doit faire la taille de la personne. Moi, je fais 1m90, ce qui signifie que je dois rentrer entièrement dans le bunker pour que le bunker soit validé. Donc on doit atteindre 2 mètres pour avoir un bunker officiel en fait. C'est impossible, regarde. Ah là, juste le temps qu'on parle, regarde, l'eau. Ouais, l'eau, elle va trop vite. C'est pour ça qu'à mon avis, on ne peut plus creuser. On arrive à la limite de creusage, on va dire. Après une longue réflexion, les gars, là enfin, j'ai trouvé une solution. Le bunker fait 1m50 actuellement, les gars. On va créer une sorte de muraille pour que ça atteigne 2 mètres. Donc là, les gars, vous voyez 1m50, là, la muraille, et ça fait 2 mètres. Le but, c'est de créer des murs le plus solides possible. Parce que le but d'un bunker, c'est qu'il soit solide. Et let's go, créons ces murs. On a cherché ce qui nous permettrait d'avoir officiellement un bunker. Et on a trouvé la solution. Construire des murs en hauteur autour du bunker pour que je puisse rentrer dedans. Les gars, on a fait des murs sur le bunker et le bunker fait actuellement 2 mètres. C'est actuellement ma taille, les gars. Il nous reste juste un toit à mettre. Il y a des nuages gris, les gars. Donc, au cas où s'il pleut, le bunker sera carré. Et là, les gars, on n'a plus qu'à mettre un petit toit. Et franchement, j'aurais fait premier bunker officiel avec une petite cuillère, les gars. Let's go! Là l'équipe, comme vous avez pu le voir, le toit qu'on avait fait de base en polystyrène s'est complètement explosé avec le vent. Donc on était obligé de partir au magasin le plus proche, acheter une bâche. Et avec cette bâche les gars qui est juste ici, on va faire un toit les gars qui sera encore plus résistant. On va mettre la bâche tout de suite, let's go. Là les gars, le bunker est totalement prêt les gars. On a mis le toit. Mais les gars, un bunker c'est pas juste le construire, faut aussi pouvoir vivre dedans. Et pour vivre dedans les gars, j'ai fait ma liste d'achats pour pouvoir vivre dans le bunker et passer une nuit dans le bunker. Let's go dans le bunker les gars, c'est parti. L'expérience de ma vie. J'espère que ça va me réchauffer ce bunker parce que là, il y a du vent pour le moment. Ah, il y a plus aucun vent frère. C'est totalement carré, il y a plus aucun vent en fait. Là j'ai plus du tout froid. De base j'avais froid là, mais là je suis bien. Là les gars, je viens d'arriver dans le bunker. J'ai pris ma petite graille les gars, mon petit truc à manger. J'ai pris une sorte de chips et on va manger ça tranquillement. Ça les gars, c'est mon air conditionné pour tenir toute la nuit, histoire que ça fasse du vent. Je vais le placer juste ici les gars. Du coup là les gars, j'ai mon air conditionné. Je vais prendre également le reste, tout ce qui me reste de nourriture, c'est-à-dire
des nouilles japonaises chinoises au cas où j'ai besoin de manger. Je vais les poser juste ici. Un réchaud au gaz, les gars. Pour ceux qui savent pas, les gars, c'est quoi? C'est comme une sorte de four, mais pour dehors, les gars. Ça, je vais poser pour faire mes petites nouilles, juste à allumer, les gars. Et je pourrais faire mes nouilles tranquillement. Et les gars, bien évidemment, j'ai oublié de vous dire, mais qu'est-ce que serait une nuit dans un bunker sans pouvoir jouer à la Switch? Là, les gars, je vais passer le temps de tout installer, les gars, tout mon matériel. Il doit être environ 21h, les gars. Et dès que ça sera plus tard dans la nuit, là, je vais jouer au moins jusqu'à 23h minuit. La nuit, les gars, dès que ce sera 1h, 2h du matin, je vais essayer, j'ai bien dit, essayer de dormir. Et ensuite, les gars, je me lèverai le matin et je vous montrerai que le bunker a bien tenu toute la nuit et que c'est officiellement un vrai bunker créé à la cuillère. Je vais jouer à la Switch, les gars, sans plus attendre. Là les gars, je suis actuellement en train de jouer à la Switch et je peux vous dire quelque chose, c'est le seul moment plaisant de la vidéo les gars. Parce que je suis dans mon bunker les gars et qu'il fait vraiment chaud en fait. Dehors c'est la tempête, mais là à l'intérieur du bunker il fait chaud. Je vous jure les gars, je peux rester toute la nuit, banal. Je pense que si j'étais SDF, je ferais ça je pense. Parce que les gars, je vais pas vous mentir les gars, je suis bien là. Un petit peu à manger, un petit peu à boire et c'est carré les gars. J'ai ma Switch, il fait bon à l'intérieur parce que l'intérieur les gars il fait plus chaud qu'à l'extérieur. Mais regardez, j'ai fini de finir ma course premier les gars. Je vais enchaîner les jeux sur la Switch histoire de faire passer le temps et de bien vous montrer que j'ai passé une nuit entière dans le bunker. Et dès que ça sera le lendemain matin, je vous montrerai également que c'est le lendemain matin. Là il est actuellement 22h30, j'ai eu en une heure le temps de manger, de tout simplement jouer à la Switch. Et là les gars, depuis toute la journée que je fais le bunker, deux jours d'affilée que je fais le bunker, je n'en peux plus. C'est à dire que là je suis fatigué, j'ai envie d'aller dormir. Je vais aller dormir et le lendemain matin, j'espère que je me réveillerai en vie. Parce que je me dis à tout moment, le toit qu'il y a dans ce bunker, mais en fait il tombe et il m'asphyxie en fait, sans que je m'en rende compte. Je vous dis bonne nuit. Mais wesh, ça pète! Mais c'est quoi ça? Non, mais ça tombe! Le bunker il s'écroule, les gars! Le bunker s'écroule, les gars! Ça pète dans tous les sens! Mais wesh, ça tombe! Le bunker s'écroule, les gars! Non, ça s'écroule! Ça s'écroule! Non, ça s'écroule de partout! Stop, 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 stop! Mon bunker vient de se détruire, les gars! J'ai réussi à sortir du bunker, mais plus jamais de ma vie je dors dedans! Je suis quand même content d'en avoir fait un! Le challenge est validé! Vous devez aller voir la vidéo où j'ai fouillé sur cette même plage avec un détecteur de métal! Elle s'affichera juste en haut à droite, juste ici! Cliquez dessus, les gars, c'est parti!